Allez, ça tout le monde, c'est Azorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1085 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure évidemment dans notre carte de Cocoline. Nous sommes à 9%, bah plus que 91%. Et souvenez-vous du coup, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on avait fait notre fameux, enfin on avait obtenu notre arme de niveau 2 avec Linkle, la botte ailée évidemment, donc je vais vous montrer. Donc c'était encore une détermination, ça ne s'arrête pas décidément, il ne manque plus que la détermination de niveau 2. À la force on va tous les enchaîner, c'est un peu chelou ce qui se passe cette semaine. Et du coup voilà, donc c'était la fameuse botte, voilà, donc la botte évidemment sacrée si je dis pas de conneries. Enfin sacrée, 150 de dégâts et 3 slots vides, c'est beaucoup mieux de ce qu'on avait dans le précédent, hein. On avait un truc à 120 tout simplement, là ça fait 30 dégâts de plus, donc c'est parfait, tout simplement quand on s'attaquera du coup au niveau 3, ça sera le meilleur des mondes. Et du coup ben les amis, aujourd'hui nous allons partir tout simplement en direction de cette case dans laquelle il y a un costume à récupérer. Donc évidemment on va devoir utiliser Pepe Loramolo, voilà. Pepe Loramolo à l'appareil, tu as débloqué une récompense de victoire et du coup évidemment c'est un costume. Et c'est une détermination. Bataille de la confusion de niveau 2, bah putain on aura fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Putain, what the fuck quoi. Du coup on peut voir qu'en face de nous aurons du coup des Alphos, des Dark Knights et Marine. Voilà, de niveau 2. Et du coup ben on va y aller. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah du coup on va utiliser Agate. Ouais, on va utiliser Agate. Ça ne s'arrête plus décidément, hein. On ne s'arrête plus. Et ensuite on va utiliser peut-être pas Tetla. Peut-être Medarm. Medarm, ouais. Let's go. On ne s'arrête plus, hein. Vraiment. Les déterminations. Oh mais cette semaine, c'est une dinguerie, on n'a pas arrêté. What the fuck? Mais attendez, mais ça va, combien votre envie de niveau? J'aurais pu y avoir un niveau 7, un niveau 8 et tout. Vous imaginez peut-être pas déjà. Déjà que le niveau 5 était chiant. Alors, niveau, enfin, chiant. Pas chiant dans le sens gonflant, mais en gros, il était un peu plus chaud que la moyenne. Mais là, niveau 7 ou 8, mon dieu. Les illusionnistes, ok, putain, ils sont à l'opposé. On n'est pas dans le gorge à l'anel. On est dans le gorge à l'anel. Deux jours! D'accord. Tech. Un double en moins normalement. Ça ma nana. Ma fille. On va pas avoir. C'est quoi le costume aussi? Ah j'aurais pu utiliser Linkartoon pour tester le costume. Oh, de toute façon on aura certainement un réceptacle de cœur avec Linkartoon ici, donc c'est même pas certain, c'est sûr. C'est sûr à 200%. Parce qu'il nous en manque tellement avec Linkartoon que bon. Pas tellement, j'abuse, hein. Je dis qu'il en manque tellement alors que je suis à la troisième barre, mais bon. C'est une façon de parler, quoi. Et le Dark Knight est là. Bon, niveau 2, concrètement, je pense pas que ça va être stressant, concrètement. Merci. Par contre, du coup, vu qu'on peut combattre Marine, à votre avis, elle va donner quoi comme loot? Elle donne quoi comme loot? Est-ce que c'est comme Medal ou quoi que ce soit, ça donne le même truc qu'un autre perso? Marine, des marines noires rejoignent le champ de bataille. Ok, des marines noires. Ok. On a vaincu un. Ok, il y en a 4, donc ça veut dire qu'il y a 3 illusionnistes normalement. Voilà, au moins il y en a un qui va voilà, s'enlever. Donc là, il y en a bientôt un autre qui va s'enlever. Et il y en a un tout en bas à droite. Alors, oui, vous allez dire, mais tu vois, ça ira plus vite d'utiliser le perso. Une fois qu'on contrôle un perso, j'aime pas changer. On va rester comme un autre classique. Même ça met un peu plus de temps. De toute façon, vous avez vu, on fait quelques KO en même temps sur notre passage. C'est pas dramatique. On va dire, si on était vraiment pressé par le temps, vraiment. Si on était vraiment à la bourre, ok, j'aurais dit oui, mais. On a des fois cédé, hein, mais. À faisant ça, mais on a des fois essayé de faire ça, mais enfin, parce qu'on était pressé par le temps, du coup, bah, on n'avait pas le choix d'utiliser les deux trucs, quoi.
Mais là, pour le, honnêtement, on est tranquille. On n'est pas en retard ni rien, donc quand on n'est pas en retard, on peut se permettre. Allez. Des marines noires perd son double. Enfin, prend du bol dans la perte. Mais... Et du coup, le véritable. La véritable marine noire. Oh, en effet, on la dépense bien. Tac. Allez. Hop. C'est bon. Oh putain, elle m'a donné une arme. Du coup, je peux pas savoir si elle me donne un truc ou pas. Fait chier. Bon, tant pis. Bon, bah écoutez. Au moins, c'est fait. Donc, normalement, on a le costume. Bah, parfait. Et notre victoire de rang A, logiquement. Notre victoire de rang A, logiquement. Et allez là. Vous avez obtenu un costume, vous avez hâte d'en savoir duquel il s'agit. Merci. Ben écoutez, au moins c'est fait. Parfait. Court épisode, hein. Cette semaine, les épisodes, à part l'épisode femme, auraient été courts, hein. Même l'épisode femme, en fait, il aurait été court aussi. Au final, il a duré 25 minutes, enfin 27, on va dire 27-28. Donc il a été court aussi, hein. Mais ouais, les épisodes ont été relativement courts cette semaine. Après, c'est pas fini encore, hein. Il manque encore au moins 3-4 épisodes à faire encore. Alors 2600 rubis, 1600 rubis, 3600 rubis, 3800 rubis et 8700 rubis avec un écaille de les alphos et un poisson crâne goûtu. Xanto a reçu un nouveau costume normal rêve. Mais écoutez, on va aller voir ça. Obtenu la boussole. Oui, les pépères Ramblo spawn, c'est parfait quand on voudra faire l'épisode farm. Alors du coup, on va quand même aller voir du coup Xanto, le costume normal rêve. Oh. Oh putain, c'est très stylé. Ah, il est rouge de partout. Il est rouge. Wow, il est magnifique concrètement, ça fait très Gryffondor du coup. Il est chez les Gryffondor. Du coup, bah, les amis, dans l'épisode prochain, on ira tout simplement bah, s'attaquer à cette case dans laquelle il y a un réceptacle de cœur à récupérer avec notre cher Volga et deux scutuladors. Donc on fera évidemment la première, donc on fera cette case en deux parties. Donc deux épisodes. Merci en tout cas. Ah, d'ailleurs, on peut aller en bas aussi comme ça. Je savais pas. Ok, j'avais pas vu que c'était. Je pensais que c'était fermé aussi. Concrètement, j'ai cru que c'était fermé au début. Ok. Bah, why not, hein, du coup. Mais je pensais pas que c'était. On pouvait aller en bas comme ça. Bon, bah, why not. Donc, on fera ça, du coup, dans l'épisode prochain. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 1085. Et on se dit à l'épisode 1086. Alors, je préviens, on éliminera le cauchemar ici. Comme ça, au moins, on finit cette case-là. Parce qu'elle est chiante, cette case-là. Sachant qu'en même temps, ça permettra de débloquer d'autres choses. On a prévu d'aller vers le haut en premier. On ira vers là en premier. Donc, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.